Il vit dans un lieu précaire sans l'avoir voulu. Il vit dans un appartement à 500 euros loyer sans même pouvoir se doucher. Il occupe des logements qui ne font que s'amiéter. Il vit dans la précarité sans rechigner. Moi je dis la vie dans une cité, ça fait pas rêver. Moi je dis la vie dans une cité, ça fait pas rêver. Les politiques se déplacent dans ces cités en faisant croire qu'ils vont améliorer leur mode de vie. Et là, ce n'est que des conneries. Même les habitants ont arrêté de croire ce que disent les politiques, car chaque année, ils disent le même discours sans rien faire bouger. Peut-être faudrait que tout soit brûlé pour que les hommes politiques commencent à se réveiller. Peut-être faudrait que tout soit brûlé pour que les hommes politiques commencent à se réveiller. Moi je dis la vie dans une cité, ça fait pas rêver. Moi je dis la vie dans une cité, ça fait pas rêver. Pour oublier leur mode de vie, ils se mettent à dîner sans savoir les causes que ça peut engendrer. Ils sont en moyenne 20 à mourir chaque année à cause d'un règlement de compte qui a mal tourné à cause de la drogue. Ils risquent leur vie pour 2 grammes, ils gagnent juste 10 euros. Apparemment, la vie ne vaut que 10 euros, c'est grave, abusé. Apparemment, la vie ne vaut que 10 euros, c'est grave, abusé. Peut-être faudra en parler tout le temps à la télé pour que l'Élysée commence à se bouger. Peut-être faudra en parler tout le temps à la télé pour que l'Élysée commence à se bouger. Peut-être faudra en parler tout le temps à la télé pour que l'Élysée commence à se bouger.